Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sekken 3, l'Italie à la française, un let's play long. Il va être très long, mais... Mais bon. Aujourd'hui, on va prendre le comté de Gênes et commencer à monter dans les Alpes pour que notre... Parce que là, pour le moment, notre principal rival, c'est qui? C'est la Savoie, mais bon, c'est un duc français, et le Frioul, ce qui peut être ennuyant. Ainsi que, pour le moment, c'est notre allié, mais la République de Venise, qu'on va essayer de tenter de prendre dans pas si longtemps. Le but, c'est le nord d'Italie, à moins que... On s'occupera du sud plus tard, peut-être qu'avec des musulmans qui vont probablement prendre les lieux, ça pourrait être intéressant dans le sens où on pourra faire des guerres de religion juste derrière. Si on peut, bien sûr. Donc, nos mangonos, est-ce qu'ils sont prêts? Non. On va attendre que nos mangonos soient prêts et on va pouvoir commencer à créer un bon gros bordel en Italie. Ce qui est déjà le cas. Parce qu'on a hérité de pas mal de choses dans les derniers épisodes, je le rappelle. Ainsi que de pas mal d'autres bêtises. On est duc pour le moment, mais bientôt roi. Enfin, on espère. J'espère que ce personnage ira jusqu'au roi, notre ombre insaisissable. Ça pourrait être fort intéressant. Notre fille, elle a quel âge? Elle a un an, pour le moment. Fonction formée contre nous. C'est une histoire de liberté couronnelle. Oui, bon, là, là-dessus, je ne peux réellement rien y faire. Est-ce qu'avec toutes ces démarches nouvelles, on a des gens compétents? On a des gens à peine plus compétents. Ici, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un de réellement plus compétent. Il y a des gens mille fois plus compétents qui ne m'aiment pas du tout. Ah, ça va faire qu'augmenter. Je pourrais l'affecter. Il va pas beaucoup m'apporter d'argent au début, mais... Est-ce qu'il est plus puissant que lui? Il est plus puissant que lui. Il m'aime pas. Bon, on va l'affecter. On va bien voir ce qui se passe. Non, lui, j'ai déjà regardé. Il n'y a pas mieux. Lui, je crois pas qu'il est mieux. Et lui non plus. Ouais. Alliance expirée avec ce type. Il est mort. Il est juste dodge. Si. Il est dodge. Il est gay. En tout cas. Pourquoi il y a un petit carré sur le drapeau de Venise? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est bugué. Ah oui, non, mais il est bugué jusqu'au bout ce drapeau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il devrait avoir quelque chose là. Pas un carré. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une couronne qui est censée avoir là ou quelque chose de ce genre? Je pourrais pas vous dire. Hein. Moi j'y connais rien en drapeau. En drapeau vénitien, j'y connais pas. Toi! Il est temps. On va demander une audience. Frontière fortifiée, peut-être pas. Enfin, on va demander une visite royale. Ah merde, faut que je voyage. Oh non, c'est chiant, je vais faire une guerre. Je veux d'abord appuyer mes... Ouais, bon, vas-y, fais ça, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe? Même elle a peur de moi. Ça, ma femme? La main de la justice tremble sous la mienne. Lorsque j'essaie de lui caresser la joue, elle a un mouvement de recul. Elle me raconte des choses étranges et effrayantes sur les gens qui disent de moi. Je ne savais pas la moitié des choses. Après, votre secret meurt. Ah! Un petit mensonge. Les meurtres ont été découverts. Tu vas partir de ces choses. Je vais des noms. Ouais.
Je me contente de sourire et de partir. Je veux faire un peu de l'escu et puis ça va aller tout seul. Ah ouais, mais... J'ai quand même 50% de chance de rater, quoi. Bon, on va tenter. Bon, elle ne m'a pas cru, elle est effrayée. Bah, aie peur de moi. Je vais t'assassiner. Je m'en fous, j'ai un fils. Bon, par contre, il me fait trop chier avec... Allez, dégage. Voilà. Fais de l'argent. T'es qui, toi? On s'en fout. Ah, j'ai trop de domaines. Pourtant, ma femme gère les domaines. Où est-ce qu'ils sont postés, ces cons? Luc, Florence, Sienne. C'est Arenzo que je laisserai tomber. C'est Arenzo que je laisserai tomber, peut-être. Mais lui, ça me fait trop chier de donner. Après, je vais récupérer Jeanne derrière, qui est colossal. Donc Sienne et Arenzo, voire Luc. Luc et Arenzo, c'est deux comtés que je devrais commencer à abandonner. Donc ça, on va accorder un club de la culture française. Je sais pas c'est qui lui. 44 ans. Oh là là, je vais hériter de sa merde encore, ça va être terrible. C'est pas si grave. On va choper. On va attendre 4 mois. 4 mois quand même. 20 jours. Ah non, 6 mois. 3 mois, d'accord. Donc on va attendre la fin du siège, fin de la régence. On a réussi à récupérer notre régence. Ah, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ah, j'ai fait rester le chat pendant qu'on discutait avec la duchesse. Enfin, qu'on faisait plus que discuter. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Interruption. Deuil douloureux. Ah, c'est ma mère. Ça. Ma mère qui a disparu. Qui a disparu sans laisser de traces. Ça doit être ça. Mon père, il est mort... Il est mort empalé d'un sanglier et ma mère, elle est morte sans laisser de traces. Genre, elle a juste disparu. Dans ma famille, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver, ça. Ah, j'ai perdu mon chancelier. C'est dommage parce qu'il était franchement très bon. Bon, on va affecter lui, il est pas si mauvais. Merde, lui, il paraît bien plus aussi. On va tenter d'aller chercher ce type-là. Ah, je vais, hein. Allez, on va le chercher. Alors, on a de l'argent. Construisons quelque chose. Un manoir. Le manoir. Faire des festins. Oh ouais. Enfin, le manoir. Mais qu'est-ce qui siège à Florence? C'est les hommes d'armes là. Hein. Il va falloir que je construise ensuite un bâtiment. Un informateur anonyme. Edouard, on va être sûr. Si vous souhaitez obtenir des informations sur les défenses de B. Si je veux des informations, je vais les chercher moi-même. J'ai assez d'intrigue pour faire ça. Donne-moi de l'argent, j'aime bien. On peut emprisonner les criminels. La courtisane. Une fornicatrice. Une fornicatrice géante. Emprisonnée. C'est pas si mal. Toi. Oh là. Cité d'Orange. D'Orange. C'est où? Ah, c'est là. Ça donne pas mal d'argent, cette histoire. Votre fils. Il a pas mal. Ah, il a chier.
De toute façon, il sera pas au combat, le type. Il est tellement nul. Il y a tellement de meilleurs chevaliers. Ah non. Ah, ce bâtard. Merde. Faut que j'arrête. C'est pas ouf, ça. Ah, il n'y a pas tant de... Bon. C'est pas très grave. Vas-y. On a plus de prestige de toute façon. Ah, je peux pas faire genre un... une petite chasse, là, histoire de rire. Ah non, je peux pas, ça coûte un peu cher. Des funérailles. Oui, c'est pour ma mère, ça. Mais les funérailles, ça coûte cher aussi, hein. C'est assez dérangeant. Pourquoi j'ai un... Ouais, c'est pas grave. C'est les mêmes temps, même. C'est exact. D'accord. Ah oui, bah ça va être assiégé très vite, ça. Parce que contrairement à là où on a les murs de gêne, ici, on les a pas. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Mais ça, c'est côtier, ça. C'est bien pour faire des ports et tout. La gestion de domaine est assez difficile dans le sens où on se tâte à garder des choses. On aurait envie de tout garder, mais ça donne des malus si on garde tout. Ce qui est contraire à d'autres jeux, d'ailleurs. Pour information, pour les gens qui vont regarder ces vidéos, je semble assez peu dans ce cadre-là. Je sais qu'il n'y en a pas tant que ça. Je vais tenter... je vais faire des vidéos sur Europa Universalis Projet César, le 5. Donc je le découvrirai avec vous. Et on verra bien ce que ça donne. Ah oui, mais il a assiégé Bastia. Où est-ce qu'il atterrit sous vous? Ah, il est... Allez hop. Allez hop. Malus de débarquant et on... tellement nombreux qu'il va juste en prendre plein la tronche. Organisateur. Organisateur. Ouais, organisateur. Allons assiéger Nice. Parodie Nodis de Crasse. Si seulement Gursta regardait ces vidéos-là, il connaîtrait ces noms de villes. Monaco. Savonne. Mondeli, des trucs comme ça. Monaco, c'est là. Ce petit terrain libre, là. Celui, j'ai les capturé, lui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, ma fille, il y a 4 ans. Ah, c'est une enfant charmeuse. On va en faire une élite. C'est pas si mal. Éduquer l'enfant. Au moins, oui. Je suis pas un très bon érudit. Occitane, tu saurais. Mais non. Devenir plus personnel. On se fait une conversation récente. Comme sujet intéressant. C'est les ancêtres. Bien sûr. Et il aborde parfois des sujets plus personnels. Si, dis-moi, dis-moi plus. Des potins. Des potins à la cour. En général, ça monte de l'intrigue. Et plus il y a de potins à la cour, plus on peut en savoir et plus on a de l'influence. D'ailleurs, en parlant d'influence, je vais chercher des secrets dans la cour de. Chasseur de rongeurs. Libérer des rats. Ah, ça c'est bien, ça. Résistance à la maladie. Rats des champs, rats des villes. Ils sont tous morts. À moi, le comté de Gênes, c'est super. C'est pas si mal. J'avais dit que je me débarrasserais de Sienne ou de Luc. J'aimerais bien garder tous mes territoires côtiers. Ah oui, mais là, il y a plein de trucs qui se construisent. On va se débarrasser. Enfant chahuteur. Un enfant chahuteur, c'est bien pour plusieurs raisons. C'est bien soit pour le martial, soit pour l'intrigue. Est-ce que si j'en refais un intrigant, ça serait de la répétition, mais au moins on est bien avantagé. Je suis pas très bon en baston. Donc on va en faire un intrigant. Et on va l'éduquer.
On va voir ça, ouais. Moi. Ce matin, je me réveille du côté de mon amante Bertha. Faire briser loin. Un coup de main, plaisir au nez. Pour être honnête, Alberto, mon amour. Mais... ce n'est pas facile à entendre, mais. Vous ne sentez pas très bon. Non, on va faire quelque chose quand même. Le stress, c'est bien. Oh, c'est quoi ça? Débaucher. Allez, à la maison close. Non. On va regarder. Étrange odeur. Parfum d'Alberto. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tandis que Bertha me conduit dans une ville voisine. Elle a insisté pour que nous y rendions dès que possible. C'est bien. Faites votre choix. Ils donneront une odeur fraîche et fruitée. C'est une figue. Un peu de menthe peut-être. J'adore l'odeur du citron. Oh, le citron! La grenade, c'est trop cher. Le citron! Le citron, ça pète. Ça pète. Non, le citron. Une étrange odeur, nette de cœur. Après avoir fait votre bon choix la semaine dernière, j'ai presque oublié la quête dans laquelle s'était lancé Bertha pour me proposer un parfum. Je me suis souvenu. Les épices seraient parfaites. Tout ce que. Ici serait parfait pour note pour la note de cœur du parfum. De la Gordon. Ça s'appelle noix de muscade. Cette cannelle, c'est délicieux et craqué. Cet encens lui donnera une odeur divine. Sauf que l'encens, ça a pas spécialement beaucoup d'odeur. Il faut plutôt le parfumer à quelque chose. Au citron, par exemple. Ah merde, et ça coûte extrêmement cher. Je vais pas regarder. Une étrange odeur. Une basse... ouais. En passant à la... à l'oreille de la forêt devenant un marché. C'est quoi que les idées, hein? C'est exactement ce que nous cherchons. Putain, elle me fait chier. Voilà qui donnera un parfum et une base puissante. Il a le chêne, bois de qualité. J'aime l'aspect des résines. C'est du bois de santal. C'est comment ça s'appelle du bois de oud. Je préfère la chêne. L'odeur du chêne. Le chêne, c'est un bois de résistance. Dur. Encore. Mais c'est quoi ce parfum aux mille odeurs? Malgré moi, j'ai fini par apprécier ma chasse aux... ah, oh merde. Les parfumeries. C'est donc avec une certaine impatience que j'entends parler d'un marchand en ville voisine qui me rend des articles rares et en sachant... parfois, il m'insurgisse quelques roseaux d'herbes séchées, de poudre blanche, etc. Non mais là, ça commence à faire trop. Ce qui semble n'être que des pierres grises. Cette herbe séchée, c'est bon en tout cas. Du vétiver. Oh, mais c'est quoi cet épisode de fou, quoi? J'imagine que cette poudre blanche. Quoi? Oh, je connais pas, je sais pas. De l'ambre gris. Vous dites que c'est du vomi. Cachalot. Mais ça me dégoûte! On vient. Je suis en train de me ruiner pour un parfum, c'est trop marrant. Parfum d'Alberto. Oh l'escroc! Le comte de Messine, c'est un escroc! C'est un nain. C'est un escroc! Mais qu'est-ce qu'il risque avec ça? Poussade.
Je vais faire chanter. Après avoir donné des artisans locaux les ingrédients, à l'intérieur se trouve une bouteille toute simple, noire au début, puis bronze profond, comme le creuse plus tuile quand je tourne vers la lumière. J'ouvre le bouchon et je me sens. Et mes sens olfactifs sont immédiatement caressés par l'odeur. J'appelle Bertha et nous aimerions. Mais c'est pour ma gueule, non? Santé, petit bonus. Prestige envers les vassaux. Gain de stress, moins 4%. Opinion des artisans, plus 8%. Probabilité de réussir des combos, plus 3%. À moi le parfum. Oui, à moi le parfum. Mais avant, j'avais un super artefact. Artefact de cours. C'est ça qu'il faut que je fasse gaffe à pas casser. Faut que je répare. J'ai réussi à le faire chanter ou j'ai pas réussi à le faire chanter, j'ai pas vu. Non? J'ai gagné quoi en faisant chanter? Oh, ça suffit. Ah oui, non mais elle, faut pas que je révèle les secrets, hein. C'est un incroyant. D'accord. Vraiment, être intriguant, c'est bien, parce que tu connais tout sur la cour. Bon bah c'est pas mal, on est en déficit à cause d'un parfum. C'est parfait. On va pas pouvoir avancer, du coup, on a conquis simplement Jade. Ce qui est pas si mal en soi. Là, je pense qu'on va commencer à sérieusement éduquer notre fils, à chercher un mariage pour notre fille, pour la prochaine fois, ça va être pas si mal. Et à foutre un maximum de bordel en Italie. Faire en sorte justement que les vassaux en prennent plein la gueule. Voir que la région soit vraiment. Ah, il est deux fois mesoua. Ah, notre Italie va changer de foi. Ah, on s'en fiche. L'important, c'est que tout se passe bien pour le duché de Toscane. Et pour le moment, tout a l'air de se passer pour le monde. On peut dire pas si mal. On a fait depuis le début de jeu à peu près... On a 20 ans. On a joué 20 ans. Ce qui est assez peu pour 6 épisodes en soi. 6 ou 7 épisodes. Pour 7 épisodes, on avance doucement. Je peux pas avancer en vitesse 5 parce que mon PC ne le supporterait pas. Mais au moins on avance à notre rythme et ça vous permet de voir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aux commentaires. Allez, ciao ciao.